Salut, c'est Mojo, j'espère que t'es en forme. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Mais alors, c'est pas une vidéo tech, c'est une vidéo what the fuck contre le super vendeur commerçant international Samsung. Alors, tu te rappelles, il y a pas si longtemps, j'ai sorti une vidéo là pour te parler de mon nouveau de ma nouvelle téloche là, 4K et tout le machin et tout. Je t'avais dit que j'avais bénéficié d'une offre ODR. Donc ODR, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est offre de remboursement. C'est-à-dire que tu achètes ton téléviseur, je ne sais pas, il vaut 1500 balles. Samsung te fait une offre ODR, par exemple de 200, 300, 400, 500 euros, peu importe. Et en fait, donc le téléviseur va te coûter 1000 balles. C'est une espèce de promotion, mais vu qu'il peut, de solde, mais vu qu'ils n'ont pas le droit de faire de solde en dehors des soldes, ils y marchent comme ça. Bref. Et donc voilà. Alors, avant toute chose, je voulais te faire voir un peu tout le matériel Samsung que j'ai, comme ça, que ce soit clair, que j'invente pas les trucs. Allez, c'est parti. On commence tout de suite par cette tablette. Hop, comme tu peux le voir, c'est merde. Hop, c'est bien écrit Samsung, là. Voilà. Hop, on a continué avec celle-ci, qui est bien écrit estampillé Samsung aussi. D'accord, là, voilà. Et ensuite, on va continuer avec... Hop, ce petit téléphone-là, qui est bien estampillé Samsung aussi, qui est un S8. Bouge pas, on continue. On est donc dans ma salle de bain avec une machine à laver qui est bien de marque Samsung. On est bien d'accord, hein? Voilà. Encore un téléphone qui est bien estampillé Samsung ici. OK? Donc, pas de problème. Bon, il a un peu ramassé la PVI, mais on est bien d'accord. Voilà. Et là, je vais te mettre tout de suite aussi, je vais te faire voir mon ancien écran qui était dans la vidéo précédente, que je vais te montrer tout de suite. Je vais remplacer cet écran-ci, qui était également un Samsung. Donc voilà, comme tu as compris, Samsung, là, je t'en montre encore un si tu veux. Là, j'ai bien écrit Samsung, pardon. Je suis un bon client, je suis un bon client. Bref, comment ça marchait sur cet offre ODR quand je suis allé au magasin Conforama? Voilà. Donc, on me propose, c'était le 25 novembre, un samedi matin. Je suis allé le 24 pour le Black Friday, pardon. Je n'avais pas tous les papiers nécessaires, donc je suis retourné le 25. Ils m'ont fait profiter quand même du Black Friday. Bref, ça, c'était en plus de l'offre ODR. Et donc, je vais là-bas, donc je vais chez au magasin Conforama. Pam, 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 ils me disent, ouais, voilà le téléviseur de 1499 avec l'offre Samsung. Vous le touchez à 999 euros. Bon, moi, je me dis super parce que j'avais un budget de 1000 balles, en fait, pour m'acheter une téloche. J'ai dit, bah, tant qu'à faire, pourquoi pas pour remplacer mon ancienne télé. Je dis, allez, c'est parti, go, boum, je prends ça, tac, hop, 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 on fait tous les papiers. Elle me dit, vous découpez bien les codes barres et tout sur les cartons et tout, parce que sinon, ils sont chiants et tout, machin. Envoyez bien recommandé parce que souvent, ils perdent. Je dis, ouais, pas de problème. Ni une ni deux, je rentre à la baraque. Je vais directement sur le site Samsung, donc sur le site de cette offre. Alors, je vais te montrer ça tout de suite. L'offre, c'était celle-ci, là, le Samsung Blue Week TV. Donc, bien valable du 20 novembre au 27 novembre 2017. Okay. Et donc, ensuite, tu devais aller cliquer sur ce lien-là. Et à chaque fois que tu cliquais sur ce lien-là, eh ben, en fait, tu tombais sur une page blanche et... T'avais un message du navigateur comme quoi le serveur n'avait retourné aucun message, aucun... Voilà. En gros, c'est ça. Donc, moi, pris de panique, je dis putain, c'est le bordel. J'ai contacté Samsung via leur Facebook. Je vais te montrer ça tout de suite. J'ai essayé tout le week-end, donc le samedi 25, le dimanche 26, et puis donc le lundi 27, dernier jour, je commence à paniquer. Je me dis merde, putain, c'est pas normal, quoi. J'arrive pas à accéder au site, impossible d'accéder au site, quoi que ce soit. Aucune explication, aucun retour. Du coup, j'ai contacté donc avec ce message. Bonjour, j'ai acheté un téléviseur samedi pour profiter de l'offre ODR, mais impossible d'accéder à ce lien. Je lui mets le lien. Merci de m'aider cordialement. Alors, toujours la première réponse à la con, comme d'hab. Nous avons transféré votre problématique à nos équipes dédiées et nous reviendrons à vous dès que nous aurons leur retour de leur part. Ok, pas de problème. À 12h47. 17h44. Je lui dis, je reviens vers vous un peu énervé. Ça fait 3 jours que j'essaye de m'inscrire pour profiter de l'offre ODR. Le lien indiqué plus haut étant toujours down, donc mort.
Et là, ce soir, comme par hasard, le lien fonctionne et cela m'indique que les 3000 premiers inscrits ont été atteints. Alors, il me répond: merci pour votre retour. Notre équipe technique font le nécessaire afin de rétablir l'accès au bulletin de participation dans les plus brefs délais. Mes couilles. Donc, en fait, il lit même pas ce que j'écris. Il répond des trucs automatiques. Alors, je lui réponds: non, mais là, ça me dit que c'est mort, que les 3000 sont atteints et que je ne peux m'asseoir sur les 500 euros de remboursement, alors que ça fait 3 jours que j'essaye de m'y connecter. Ce qui m'a fait sauter le pas, c'est bien l'offre d'air, donc pour acheter la télé. Donc il me répond: je suis navré de constater votre mécontentement, je fais part de votre situation à notre équipe. Toujours pareil, hein, un espèce de robot, hein, on va dire ça comme ça, signé Robin. Alors je pense que c'était pour faire un peu classe, style Robin des Bois ou j'en sais rien, enfin bref. Bon, j'attends votre retour pour demain matin, après j'aviserai, bonne soirée, je lui dis. Donc le lendemain, il me demande mon téléphone, mon numéro, mon adresse mail. Le plus drôle, hein, la preuve qu'ils te lisent même pas, qu'ils s'en battent complètement les couilles. Donc il me demande mon nom, prénom, numéro de téléphone, adresse email, adresse postale, bon là normal, revendeur, donc bon, Conforama, nom de l'offre, donc c'était la Blue Quick à la con, et le numéro de participation. Là, tu lis bien ici, numéro de participation. Merci d'avance pour votre tour et bonne journée, Robin. Alors, bonjour, je vous donne tous ces renseignements en début d'après-midi car je suis au travail. Et je lui ai dit quand même que le numéro de participation, je peux pas car le lien était HS depuis samedi. Bon, et comme je lui dis, comme inscrit aussi dessus, bah, impossible d'accéder à l'offre, donc pas de numéro de participation, j'attends votre retour, le téléviseur acheté c'était bien ça, donc il correspondait bien, machin, blablabla. Donc il me répond toujours pareil: nous vous remercions de vos informations, nous transmettrons à notre équipe de mes couilles. Ok, moi je lui dis ok, il me faut une réponse dans la journée. Alors il me répond quoi? Bonjour, le site My Samsung n'est pas accessible actuellement, nos équipes mettent tout en œuvre. Alors que le site était tout à fait accessible, c'était juste le lien pour participer à l'offre d'air. Bien naturellement, si vous bénéficiez d'une promotion dont la préinscription serait arrivée à échéance avant la réouverture du site, vous pourrez en profiter d'une prolongation pour vous inscrire. Mais couille! Donc, on continue. Hop. On continue là. Donc, je lui mets là, hop, les 3000 sont maintenant passés. Le lien pour l'inscription ne fonctionne pas. Comment dois-je faire? Pour rappel, j'ai acheté le téléviseur le samedi 25 qui arrive à une offre ODR. Le vendeur me dit que le téléviseur me revient à 999 euros, ce qui me pousse à investir. Bien sûr, on ne parle pas des 3000 premiers inscrits, pas 300, je me suis trompé. Ensuite, je rentre, le lien ne fonctionne tout simplement pas. Avec le message d'erreur, le serveur n'a retourné aucune réponse, quelque chose du genre. Jusqu'à lundi, il ne fonctionne pas donc. Et hop, par magie, lundi soir, le lien revient et m'indique que les 3000 inscrits ont été atteints. Alors, il me répond toujours pareil: nous avons transféré la problématique à notre équipe dédiée de mes couilles. Et voilà, moi je lui mets un screen de ce qu'il m'a posé la première fois. Donc, bonjour Mo, nous avons transféré votre problématique à notre équipe dédiée. La même chose en fait, tu vois, des espèces de putains de robots. Alors ensuite, il me répond: bonjour Joseph, comme dit précédemment, nous reviendrons vers vous dès que nous aurons le retour de leur part. Bonne journée Robin. Alors je lui réponds allô, parce que ça, il m'a posé le 29 novembre, donc le 2 décembre, je lui dis allô. Il me répond enfin, bah, je sais plus quand, un jour après, une merde dans le genre. Je viens de relancer nos équipes au sujet, ouais, comme d'habitude. Et bon, je lui dis bonjour, moi je suis allé au magasin pour tenir informé. Voilà, dans la même journée. Et 3 jours après, je lui dis bonjour, je pense avoir été patient. Non, merci de ne me permettre. Ah oui, je lui dis non, merci de ne pas écrire le message, j'ai contacté le service et je reviens vers vous. Entre-temps, j'avais quand même posé des messages sur leur Facebook, hein. Hormis ça, le samedi, j'avais déjà posé des messages sur leur Facebook, hormis le Messenger. Donc voilà, entre-temps, comme je te dis, j'avais contacté le magasin Conforama et eux, ils sont tombés sur le cul parce que quand je suis arrivé, je vais te mettre la vidéo. Donc l'offre est toujours active là sur le magasin et ils sont même pas au courant que c'est aux 3000 premiers inscrits. Il y avait encore la promotion puisque apparemment le commercial ne les avait pas prévenus que c'était limité aux 3000 premiers inscrits. Et donc voilà. Alors au final, j'ai essayé de recontacter Samsung par Facebook, par-ci, par-là, un truc de fou quoi. Et zéro réponse. Et là, ça fait 2 semaines. 2 semaines. Deux semaines. Hein? Et voilà. Alors du coup, j'ai été recontacté par le magasin Conforama qui a dit qu'il allait me recontacter parce que c'était pas normal, ils comprenaient pas, machin, ils allaient contacter le commercial. Donc ils ont recontacté le commercial lundi dernier, on est dimanche. Donc ils m'ont appelé hier et j'ai foncé direct au magasin. Je leur ai dit voilà, bah, qu'est-ce qui se passe, machin et tout, parce que j'ai pas bien compris votre message au répondeur. Donc qu'est-ce qu'ils m'ont expliqué?
Alors, tenez-vous bien. Tenez-vous bien. Premièrement, le commercial, il n'a pas répondu. Hein, comme quoi, on s'en bat les noix. Bravo Samsung. Deuxième truc, c'est que en fait, ce qu'ils m'ont proposé, le magasin, écoute bien, le magasin Conforama, pas Samsung. Hein, ils m'ont proposé, en fait, ils vont me faire profiter, parce qu'il y a encore une offre qui est en cours là, mais pour un remboursement de 200 euros, ma télé est prise en compte, normalement. Et donc, je vais bénéficier de ces 200 euros via Samsung. Et le magasin Conforama, tiens-toi bien, m'ont proposé un avoir de 300 euros, alors que c'est même pas de leur faute. Ils m'ont proposé un avoir de 300 euros qu'ils m'ont crédité. Donc, j'y suis allé ce matin, dimanche matin, parce que c'est ouvert, parce que vu que c'est l'époque des fêtes. Et donc, voilà, donc mes 200 plus 300, j'ai récupéré les 500 euros. Et grâce à qui? Pas Samsung, hein, bien sûr. Voilà. Grâce à Conforama qui a fait un geste alors qu'ils n'étaient pas du tout obligés. Et franchement, je leur dis bravo. Hein. C'est le magasin Conforama de Chambéry, pour ceux qui connaissent. Voilà. Et je dois leur dire bravo et merci encore parce que franchement, c'était voilà, c'est plutôt sympa de leur part et c'était vraiment pas obligé. Et des genres de choses comme ça, j'apprécie vraiment. Et il faut le dire quand c'est bien, mais il faut le dire quand c'est de la merde aussi. Pour continuer avec Samsung, attends, tiens-toi bien. Il y a aussi des gens, j'ai vu sur le site de Samsung, en fait, qui ont commandé pardon, directement style des lave-linges par le site Samsung avec une offre de remboursement. Mais ils mettent tellement de temps à envoyer leur putain de produit que quand ils reçoivent le produit, les gens, l'offre est dépassée et en fait, ils ne peuvent plus bénéficier de l'offre. Donc, ils payent plein but leur bécane et donc, c'est de la grosse baisse. Et je te parle encore même pas de ce que tu. Bah, tu peux aller sur Samsung France, il y a plein de messages, les offres ODR et les mecs qui se font entuber par rapport au téléphone, par rapport au ci, par rapport au là. Moi, je sais que j'ai acheté des produits LG, ça s'est passé direct. Et là, il y a offre de remboursement, j'ai renvoyé, aucun souci. J'ai envie de te dire, tu vas me dire, ouais, mais peut-être que les 3000 ils étaient atteints le samedi. Ouais, ok, peut-être que les 3000 étaient atteints le samedi, pardon. Dans ce cas-là, tu mets un message directement sur le site, les 3000 sont déjà atteints, une merde du genre. Tu préviens tes commerciaux qui puissent prévenir au moins un mail automatique. Tu sais, tout le monde sait faire des mails automatiques normalement. Hein. Comme quoi, ben, l'offre est terminée. Moi, quand j'y suis allé au magasin Conforama quasiment une semaine après que l'offre soit terminée, ils n'étaient même pas au courant. Comme je t'ai dit que la vidéo que je t'ai fait voir là, ils le vendaient toujours à 999 euros. Pour eux, c'était normal parce qu'il y avait l'offre DR et tout. Ils n'avaient pas vu rien. On prévient de rien, quoi. Voilà. Eh ben, écoute, j'ai envie de te dire, fais très attention si tu achètes des produits Samsung avec une offre DR parce que franchement, tu peux te faire entuber, franchement, tu peux te faire entuber parce que quand je vois là tous ceux qui sont couillonnés, c'est pas vraiment, pas vraiment, pas vraiment terrible quoi. Et donc voilà, et ben écoute, Samsung, hein, j'en ai terminé avec toi parce que je te dis, c'est moi, pour ma part, j'achèterai plus un produit chez toi, je te le dis direct, c'est clair et net, hein, ça c'est clair, j'achèterai plus un produit chez toi. Et puis voilà quoi, ben écoute, si tu as été dans le même délire, si tu as eu une merde dans le genre, et ben je te propose de mettre un message juste en dessous, là, dans l'espace commentaire, ça sera super. Et puis moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!